Bonjour à tous, c'est Brass, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Alien Isolation pour l'épisode 32. Alors, on continue notre let's play. Oh, attendez, hop, je vais toi, parce que j'ai 36 000. Oh putain, je crois qu'il y avait quelqu'un derrière. Mais c'est horrible. Alors, voilà. Allez. L'heure est venue, je le sens jusque dans mes tripes. Il ne me laissera pas tomber, il l'a toujours dit. Allez, let's go. Voilà, voilà, c'était un petit message de merde. Donc là, il faut aller. Ah, ok. C'est ouvert aussi. Mais là, on a été là. Alors, c'est ici. Ok. Ça, normalement, on l'avait vu, non? Rapport. Anesidora, ici le Marshal White de Sébastopol. Ah merde, on l'a entendu. Officiellement, ça. Je devrais refuser votre demande d'amarrage. Sébastopol est actuellement en cours de mise en service. Et je ne peux pas compromettre la sécurité pour des vaisseaux impromptus. Ceci étant, compte tenu de la propriété que vous avez récupérée, j'autorise un petit nombre de votre équipage à aborder via une navette à courte distance. Je dois vous rappeler que Sébastopol se réserve le droit d'annuler toute récompense liée à la restitution de la dite propriété une fois sur la station. Tenez-moi au courant de votre décision. Wait, terminé. Voilà, on continue tranquillou. Alors. Oh, je passe à sa race. Descends encore plus bas. Oh oh. J'essayais de sauver Foster, tu sais. Je l'ai amené sur Sébastopol et au passage, j'ai brisé un cadre pour l'absenter à mort. C'était pas très intelligent de ma part. Quel con. On peut pas vaincre cette chose, Ridley. C'est pas possible. Tout ce qu'on peut faire, c'est refuser le combat. Pour effacer toutes les traces, détruire toutes les preuves, arrêter la propagation de l'infection, s'assurer que l'espèce humaine soit plus jamais en contact avec cette chose. Plus jamais. Parce qu'à la minute où elle entre en contact avec nous, elle a gagné. La compagnie saura jamais ce qui s'est passé ici. Personne ne le saura. Je le permettrai pas. Tac, ah ah ah. Ça, ok. Qu'est-ce que je peux faire en fait là-dedans? Alors, taser, ça c'est plein. Mon tuyau, ça je peux en faire. Faut mieux en faire, hein. On sait jamais. Alors, plein, plein. On a il manque un truc, plein. Ça que j'ai pas. Ok.
Alors. Ça, ça, et ça. Doucement. Ah, il y a un truc pour sauvegarder. Attends. Oh, ça, j'aime pas ça, ça. Oh, j'aime pas ça. On va sauvegarder. Et voilà. Bah, y a rien. Ok. Bon, mais il va se passer un truc à mon avis. Ça nous dit de sauvegarder de toute façon. C'est un truc de sauvegarder. C'est qu'il y a un truc, hein. Nouvel enregistrement. Message personnel. Ceci est pour ma fille. Coucou Amanda. Cet enregistrement est pour toi. Ma petite chérie, j'espère que tu pourras écouter ceci un jour. En fait, tu vois, j'ai eu quelques ennuis. Mon vaisseau a... On a eu un accident, mon cœur. Et... on a trouvé... Une créature extraterrestre, vraiment très dangereuse. Et détruire le vaisseau, c'était notre seule chance de l'arrêter. Je vais bien. Je suis coincée sur cette navette de sauvetage pour un bon bout de temps encore. Mais il fallait qu'on détruise le vaisseau. Il fallait qu'on détruise le Nostromo. On ne pouvait pas prendre le risque de ramener cette chose avec nous. Je devais tout faire pour te protéger. Ne t'inquiète pas. Ne t'en fais pas pour moi. Je suis sûre qu'on se verra très bientôt. Je t'aime, ma chérie. Quel joli message. Purge encore le truc. Écoutez-moi, on n'est pas obligé d'en arriver là. Arrête, arrête ça, Marlo. Marlo, je t'en prie. T'as entendu ce que ta mère a fait? Elle avait compris. Si elle était là, elle ferait la même chose. Tu crois qu'elle aurait voulu que les cadres de la compagnie sachent où se trouve cette créature? Personne ne doit savoir. Il y a encore des gens qui sont en vie sur la station. Marlo. Mais il n'y a pas de poster. C'était ma femme. Je l'aimais.
Moi aussi, je sais taper. Ah bah tiens, bah, tiens t'as tapé. Je crois qu'il est trop tard. Il a enclenché. Il a enclenché. Taylor, je vais arrêter la surcharge. Faut que tu m'aides. Va à cette console. Attention, réacteur à fusion en cours de surcharge. Ouvre les systèmes de fusion que je puisse y accéder. Quoi ? Faut que j'envoie de l'énergie au générateur auxiliaire. Cherche les lettres A, U, X. Je l'ai trouvé. N'hésitez pas à liker ma page Facebook, mon Twitter, et si vous n'êtes pas encore aimé à ma chaîne YouTube, vous pouvez vous abonner, ça fera toujours plaisir. Alors bon, voilà, sans un succès. Ok, message terminé. On a terminé une acte. Ça, c'est bien. Alors, après, je sais pas ce que... Je sais pas après c'est quoi. Mais en tout cas, il nous faut des munitions, il nous faut plein de trucs, hein, parce que là, on est un peu en manque de tout.
Là. Putain, il y en a tellement. Je vais me faire niquer. Putain, merde. Putain, il y en a de plus en plus, hein. L'objet déjà aussi. Hein. C'est là-bas qu'ils me disent qu'il y a un objet. Vous enregistrez auprès de la réception. Ok, là. Actualiser la carte. Trouver le cadre. Zone de relais. Ok. Accès à communication. Je sais pas s'il faut aller là-bas. Thank you.
déteste cet endroit. C'est vraiment du grand n'importe quoi. Un coup de taser, lui. Moi, je l'aime mieux, mais un coup de taser, ça va mieux. Bon, ça a l'air d'être bon. Je dirais tant mieux. Ça va les attirer. Mais on y va. Mission, tant mieux. Tâche, disco. Thank you.
Ils sont sérieux de m'avoir offert ça. Puis c'est les yeux rouges. Putain. Ah, les fils de pute. On va rentrer à l'intérieur. Je sais pas où on y va, mais on y va. Un retour en arrière en fait. C'est ça. Ah, maintenant on est protégé parce que j'ai enlevé la plus fréquente d'air ici. De toute façon, ma caméra en fait elle s'est arrêtée, j'ai même pas vu. Ouais, une demi-heure, ouais. Je vais regarder 2 secondes. Ah ouais, elle s'est arrêtée. Bon bah, je vais arrêter
juste l'arrêter la caméra pour là, parce que bon, voilà, après il ne reste plus grand chose là. C'est de sauvegarder, puis voilà. Ici le capitaine Dallas. J'enregistre mon premier rapport depuis notre voyage retour de notre séjour sur Tethys. Quand on sera rentré, j'aimerais une réunion avec le responsable livraison. Un officier scientifique a été remplacé sans aucune raison évoquée. Est très doué, ça ne fait aucun doute. Mais on m'a prévu à peine 2 jours à l'avance et je trouve ça un peu abusé pour ce genre de choses. Je voudrais juste qu'on m'explique. On sera prêt au chargement une fois l'appel reçu. Donc. Putain, faut que j'aille là-bas. Hein. Ouais. Dallas, capitaine Nostromo, terminé. Parce que là, ça nous fait. Là. Donc c'est pas ça que je... C'est là-bas. Bon, puis on veut le tuer, on a rien à foutre. Parce que là, on accède à quoi là-dedans? Jacques maintenant. Accès à la porte. Comme ça on aura accès à une porte. Et c'est quelle porte qu'on a accès? C'est celle-là, non? Ouais, je sais pas. Lui en tout cas il est là. Dans mon visage. Wesh. Putain, culé. Ok. En tout cas, lui c'est bon. Là, ok, c'est cette salle-là. J'ai déjà essayé à cette salle-là. Ah, celle-là par contre, non, j'ai jamais accédé. Va être un peu long, ça se trouve. Ah, truc de sauvegarde. Putain, j'ai peur sa race. Regardez où. Hop, on monte
Martin. Stabilisateur orbitaux opérant à 60% avant chute. 60% avant chute, ok. Ah tiens, il est là. Comme ça, on va s'arrêter là. Nickel. Et voilà, comme ça au moins, ça c'est fait. Donc j'espère que vous aurez apprécié cet épisode. On se retrouvera pour une prochaine vidéo. Allez, salut.